Hey hey, salut tout le monde les gens. Comment ça va bien? Petite question, est-ce que vous êtes prêts à perdre vos bras? Hey Arthur. Ouais. T'aurais pas vu mes bras? Waouh, tu nous as encore bluffé avec tes effets spéciaux Bruno. Il est trop fort le gars. Haha, vous en voulez encore? Regardez. Bramus. Non? Non. Bon, ok. Mais avant de commencer, quoi qu'il en soit, faites un petit bisou à vos triceps, histoire qu'ils vous envahissent pas trop. Comment il veut qu'on fasse un bisou à nos triceps? Ça y est, j'ai réussi. Papa est désolé. Aujourd'hui, séance spéciale. Triceps, devant d'épaule et pec. Mais comment on fait ça? Vous allez avoir besoin d'un petit matériel. Vous pouvez prendre soit une chaise. Mais je déconseille. Oh, j'ai failli me faire le coup du père lapin, moi. Super ton mouvement, Bruno. Je suis tétraplégique maintenant. Ah bah non, je peux pas lever le pouce si je suis tétraplégique. Il a rien vu. Ok. Sinon, vous pouvez essayer sur un tabouret ou sur une chaise qui tourne. Il est sérieux, là? Bah non, je rigole. Préférez faire ce mouvement plutôt sur un canapé ou bien sur un lit. Un lit? Bah oui, on peut tout à fait faire du sport sur un lit. Hein? Mais de quoi il nous parle? Bah je parlais de faire un mouvement super méga rigolo. Les dips, bien sûr. À quoi vous pensiez? Si vous êtes en extérieur, vous pouvez tout à fait utiliser une barrière, un banc ou bien un rondin. Si vous êtes ni à l'intérieur ni à l'extérieur, vous... Je vais me reposer, moi. Ah ouais? C'est un concept, hein? Bon, allez, on est parti. Vous avez trois mouvements à retenir. Venez, je vous explique. Premier exercice, les célèbres dips. Un mouvement qui va bien picoter les triceps. Je vous explique. Déjà, la position des mains. Soit les doigts vers l'avant, soit les doigts vers l'arrière. Ici, c'est comme vous préférez, d'accord? C'est propre à chacun. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je casse moins les poignets quand les doigts sont en avant. Ici, une fois que c'est fait, regardez devant vous. Plus vous dépliez les jambes, plus ça sera rigolo. Si on fatigue un petit peu, on a le droit de rapprocher les talons plus ou moins sous les fessiers pour pouvoir céder du travail des jambes. Allez, je vous explique. Dépliez les jambes si vous le souhaitez. L'idée ici, c'est de tirer les fessiers vers le bas en tirant les coudes vers l'arrière. Attention, on touche pas le sol. D'accord? Sinon, on se repose et c'est pas rigolo. Et on repousse en expirant. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Faites attention. Les fessiers ici ne doivent pas s'avancer. Ils doivent frôler votre support pour bien fléchir les bras. Regardez, si mes fessiers vont vers l'avant, eh ben je fléchis plus les bras, donc je travaille plus du tout les triceps. Ok, des petits dips, ça va être méchamment horrible. Deuxième exercice, les célèbres push-ups. On les présente plus, mais ici aujourd'hui je vous présente trois variantes différentes. Les push-ups pourquoi? Pour travailler les triceps, la partie antérieure des épaules et le fessier abdominal, des pectoraux, c'est super méga intéressant. Ici regardez bien. Première difficulté, les mains, tac, sous votre support, ok? Vu qu'ici on aura moins de charge aux épaules, ça sera plus facile pour vous de vous redresser soit sur les pieds, on tire le buste entre les mains le plus bas possible et on repousse en expirant, ou bien si on fatigue, sur les genoux. Si vous êtes ici sur les fessiers, sur les pieds, pensez à serrer à fond les fessiers, serrer à fond les abdos pour éviter de creuser le dos, ok? Une planche parfaite. Deuxième variante, ça vous connaissez déjà, des push-ups classiques au poids du corps sans aucun matériel, pareil, soit sur les pieds ou bien sur les genoux. À vous de choisir. Ok, dernière variante, un peu plus difficile. Ici, on reprend son support. Plus le support va être haut, plus ça va être compliqué. On pose les pieds ici sur le support et on solidifie sa planche et on descend à nouveau. Oui, ça va être horrible. Troisième exercice. Dernier mouvement, les remontées avant-bras. En gros, c'est des push-ups, mais qu'on oriente plus ou moins sur un bras ou l'autre. Regardez bien, on peut reprendre les variantes qu'on a vues justement sur les push-ups. Soit, niveau plus facile, sur les avant-bras. On descend, on remonte. À condition toujours de bien verrouiller sa planche. Ok? Deuxième variante, la même chose au sol. Pensez peut-être à prendre un tapis pour que ce soit un petit peu plus agréable pour les avant-bras si vous avez les côtes fragiles. On descend. On se redresse. Et bien sûr, troisième niveau de difficulté, les pieds sur votre support. Et on fait exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est sympa ça! Surtout après des push-ups, vous allez rigoler. Et c'est parti pour une nouvelle séance. J'espère que vous êtes extra motivé et que, comme d'habitude, vous allez vous donner à 200%. Comment ça va, Charline? Très bien. Ouais, prête à faire le cobaye?
Ah, ta cravaille. Ok, ok, on essaye ça. On est parti. Allez, placez-vous. J'espère que vous avez trouvé l'équipement qu'il vous faut chez vous. On commence avec nos dips. Ok, ok. Au revoir, la triceps. 3, 2, 1 et go. On est parti, on enclenche les mouvements. Rappelez-vous ici toutes vos options de difficulté, ok? Il y a plusieurs niveaux, choisissez celui qui vous convient le mieux. Plus les pieds sont vers l'avant, plus c'est compliqué. Plus vous descendez bas, plus c'est compliqué. Ok, l'idée c'est de garder les pieds toujours proches de votre support. Ok, pensez à expirer lorsque vous repoussez. Oui, encore, encore. 3, 2, 1, ok, on bascule vers l'avant pour pouvoir placer maintenant nos push-ups. Plusieurs niveaux de difficulté sur les pieds, bien entendu. Attention à toujours à pas creuser le dos, remontez bien les fessiers, serrez-la à fond. Ok, les mains sur les épaules et repousse fort le sol pour vous redresser. Encore 5 petites secondes là-dessus. Oui, 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 3, 2, 1, on passe en remontée avant-bras. Ici, descendez sur l'avant-bras, puis sur l'autre et on remonte. Pensez toujours ici à alterner. Une fois, je vais maintenant dans un premier temps avec la main droite en premier. Et la fois d'après, je pense à pousser cette fois-ci avec la main gauche. Option sur les genoux, bien entendu. Oh, on a déjà pratiquement fini le premier tour. Est-ce que ça commence à chauffer un petit peu? Ouais, Bruno, ça pique. Eh bien, c'est excellent. 3, 2, 1, on repasse sur les dips. Ok, si le tour d'avant vous a semblé trop facile, avancez un petit peu les pieds. Oui, excellent. L'expiration lorsque vous repoussez. Si vous fatiguez un petit peu, réduisez un peu l'amplitude, mais attention, faites en sorte ici d'essayer de ne pas toucher les fessiers au sol. Oui, 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 on reste en tension continue. Une grosse expiration, en fin de mouvement, 3, 2, 1, boum, push-up. Deuxième passage sur les push-up. Ok, très bien. Encore un maximum d'amplitude pour Charline, ça veut dire quoi? Que c'est trop facile, on va l'aider un petit peu. Ouais, bonne idée, Bruno. Ça va être que j'ai de la bonne idée. Attention, 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 attention. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on repasse, on remonte, qu'est-ce que c'est rigolo ça. Ok, là-dessus aussi, essayez de réduire la rotation du bassin, ça va forcément tourner un petit peu, hein. Mais plus vous allez engager les fessiers, plus vous engagez les cuisses, plus vous allez inspirer votre nombril, plus vous allez rester en place. Ok, vous avez aussi la technique d'éloigner les pieds un petit peu plus entre eux pour être plus stable. Encore 3, encore 2, encore 1, et on repasse sur les dips. Oui, troisième tour déjà. On a déjà fait la moitié de ce petit circuit. Oui, 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 oui. Ok, les fessiers toujours au ras de votre support. Hein. Ok, checkez la sensation au niveau des poignets. Hein. Comme je vous l'ai dit ici, adaptez la position de la main. Ça, c'est propre à chacun. Oui, oui, oui. Si on fatigue, on va comme Charline, rapproche un peu les talons sur les fessiers pour pousser un peu plus avec les jambes. Et top, on passe sur le push-up. Ça passe super vite, ça passe super vite. C'est pas de ma faute. Ils ont demandé encore un coup de main. Ah, ils étaient unanimes. Oui, il a tapé Bruno, Charline. Tu vois, ça l'avait dit. Chut, super. Excellent, excellent. Allez, on maintient le rythme, on maintient le rythme, on maintient le rythme. Oui, j'appuie plus fort. Bon, ça se fait pas. Hein. Mais j'adore ça. Ok, 3, 2, 1, boum. Remonte avant-bras. Et je laisse tranquille sur cet exercice-là. Ok. Pensez aux consignes de tout à l'heure. On serre à fond les fessiers, on serre à fond les cuisses, on serre à fond les abdos. L'option sur les genoux, c'est valable aussi là-dessus, hein, vous le savez. Ah, bah bizarrement, ça y est, on passe sur les genoux quand je le dis. C'est valable, mais pas pour toi. Hein. Attention, 3, 2, 1, et on passe sur le dernier tour. Ok, allez, accrochez-vous, c'est le dernier passage. Dernier passage sur les dips. Dernier passage sur les push-ups. Dernier passage sur le remontée avant-bras. Eh, mais je peux même l'aider sur cet exercice-là. Ouais. Et si vous avez quelqu'un à la maison qui est super sympa et qui veut bien vous appuyer sur les épaules, faut qu'il le fasse, hein. Faut qu'il le fasse. Encore 3, encore 2, encore 1, c'est sur push-up. Allez, on repart sur les push-ups. Excellent. Quand vous dites non, je comprends oui. Hein. Et quand vous dites oui, bah je comprends oui. Allez, 10 secondes. Allez, courage, Charline. Les étirements, c'est pour après. Attention, attention, attention. 5 petites secondes. 4 petites secondes. 3, 2, 1. Remontez avant-bras. Super. On descend, on remonte, on remonte. On descend, on remonte, on remonte. Dernier passage. Sauf que, c'est pas vrai. Je vous ai un petit peu arnaqué. Mais non, tu as oublié que c'était fini. Non, non, non. Juste après ça, dans moins de 10 secondes maintenant, il nous restera 60 secondes de boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? 100% push-up. Que des push-up. Sauf qu'à chaque fois que je vous dis stop, un remonté avant-bras. 3, 2, 1, go. 100% push-up. Ok, non-stop, non-stop, non-stop. Et si vous restez un petit peu d'énergie, c'est maintenant. Et à chaque fois que je vous dis top, on descend, on remonte, et on réentame les push-up. Attention, 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 attention. Top. Un remonté avant-bras, et boum, c'est reparti. Allez, encore 45 secondes. Donc 45 secondes, ça sera fini. Vous aurez fait le boulot. Ça commence à gonfler là, un petit peu. Oui, oui, 40 secondes. Mais quoi, vous voulez plus de top? Ok, top. C'est eux qui ont demandé. Hein. Bonne idée. Top. On descend, on remonte, on remonte. Restez concentrés, s'il vous plaît, sur la tension dans les fessiers et sur les abdos. Hein. Allez, courage. Allez, courage. Chique des bras, ça repousse. Attention, attention. Top. Oui, 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 top.
Ouais. Top! Excellent, excellent. Et bonne nouvelle, on se rapproche des 10 dernières secondes. Il reste exactement maintenant 10 secondes. On accélère sur les push-ups. Max vitesse. 9, 8, 7, 6. Ouais, il est bizarre mon chrono, il compte trop vite. Attention, 3, 2, 1. Et relâchez. Super. Comment ça va les cuisses? Ok, et j'espère que ça a bien piqué. Vous le savez, la brûlure musculaire, c'est un des facteurs qui nous aide à progresser. Ça a été? Trop facile? Bien joué, Charline! Je peux pas. Bon, bah. Merci. Bon, on l'a refait, hein. Et sinon, ils vont voir que tu m'as mis une crampe. Excellent boulot! Bravo à vous! Alors, comment ça a été? J'espère que c'était méchamment horrible. Hé, hey, Charline! T'as oublié tes bras? Vous avez vu? J'ai le droit à un budget blague! Bon, Arthur! Va falloir augmenter le budget blague, hein! Ça les a pas fait marrer, hein. De quoi? Oh oui, j'allais oublier. Si vous avez apprécié la vidéo et la séance, je vous invite à la liker, à la partager ou bien faire les deux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine séance. J'ai oublié un truc super méga important. Si vous voulez louper aucune vidéo, il faut simplement vous abonner à la chaîne. Je vous l'ai déjà dit. Comme ça, si vous abonnez, à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo, il y a un petit truc dans votre téléphone qui va dire notification. Il y a Food Center qu'on sort une nouvelle vidéo. Mais ça a l'air trop cool. On va regarder tout ça. Deuxième chose, on a sorti maintenant un nouveau cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est 100. Voilà, plein de fois comme ça avec les doigts. 100 conseils qui vont vous permettre de maintenir vos résultats ou bien d'accélérer ici l'obtention de vos objectifs. Ça, c'est super méga cool. Pour aller voir comment qu'est-ce qu'on fait, on regarde juste en dessous de la vidéo. Il y a une petite case écrite descriptif de la vidéo. Cliquez sur le lien et voilà, c'est magique. Maintenant, on peut se dire au revoir. Oui, au revoir. Ouais, toi aussi, au revoir. Oui, toi aussi, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Ouais, salut, ouais. Bon, je me casse.